Cette plante de la famille des rosacées est une benoîte, la benoîte vulgaire. Cette plante, au plan médicinal, est une plante astringente, antidysentérique, qui va être très utile dans les diarrhées de toutes sortes, y compris les diarrhées infectieuses. C'est également une plante assez particulière dont la racine possède un arôme assez proche du clou de girofle. Effectivement, la racine de benoîte vulgaire contient de l'eugénol, qui est le principe actif du clou de girofle. C'est donc également un bon antiseptique digestif. Au plan culinaire, on peut se servir de la racine de benoîte comme d'un succédané du clou de girofle pour parfumer des potées, pour parfumer des viandes bouillies, pour parfumer par exemple également des gigots, des rôtis. On peut piquer les rôtis ou les gigots avec de la racine de benoîte en lieu et place des clous de girofle. Ce qu'on peut dire aussi de la benoîte, c'est que autrefois, elle était utilisée au Moyen-Âge pour savoir si une sorcière devait être brûlée ou pas au temps de l'Inquisition. Cette plante consacrée à Saint-Benoît était effectivement une plante dont on utilisait la racine, on la faisait brûler. Si la racine brûlée claquait, alors la personne jugée pour hérésie était reconnue comme une sorcière et devait être brûlée sur un bûcher. Autre temps, autre mœurs. Maintenant, on se servira plutôt de la racine au plan culinaire.